Et salut tout le monde, on se retrouve sur Fortnite Sauver le Monde, donc en compagnie de Romain qui avait gagné précédemment avec le chiffre 9. Vous aurez la vidéo cet après-midi du nouveau parcours. En attendant, on va effectuer ça donc tout simplement avec un clip vidéo que je pourrais retravailler en montage, contrairement à la précédente fois. Et je ferai toujours de cette façon, comme ça ce sera plus facile et il y a moins de stress pour le participant. Je rappelle vite fait ce que tu peux gagner ou c'est toujours dans ta tête? Non, c'est bon, c'est toi. D'accord. Des pièces mécaniques, de la pièce efficace à la pièce rouillée, en mode décroissant. Ok, il y a juste donc l'histoire du chronomètre que je dois activer. Donc pour petit rappel pour ceux qui auraient oublié, donc on peut pas. On peut tomber, le chronomètre à partir de là s'arrête et on peut toujours avoir la meilleure récompense même si on tombe, il suffit juste de ne pas dépasser le temps. Donc, j'avais dit 1 minute 40 il me semble pour la première récompense, suivie de 2 minutes 50 entre la deuxième et la troisième je crois. Il faudra à nouveau que je regarde la vidéo parce que je sais plus trop, mais bon, de toute façon tout y sera décrit, non, je te donnerai après. Bah sur ce, bah, ça va Romain? Ça va très bien. Tu te sens comment pour le parcours? En stress, mais ça va. En stress, bah imagine si c'était un live. Là, tu vois une personne qui rejoint, deux, trois, les filles qui te disent allez Romain! Ouais, mais c'est plus facile en live que. Bah, moi, je me sens mieux en live si tu veux qu'en clip vidéo. C'est ça. Ok. En plus, c'est bien, je pourrais être troll sur le clip vidéo. Genre, mettre un caca sur ta tête et faire point. Ah ouais. Genre, on verra ça. Bon, allez, 3, 2, 1, vas-y. Donc je te rappelle pas, hein, les tremplins bleus, faut les prendre, les oranges, faut les esquiver. Ouais. T'as eu de la chance. Ah, ça c'est des coups de chance. Prendre le piège orange et quand même rester sur la map, faut le faire. Ah, surtout celui-là, hein, il est quand même pas évident. Non. Ah bah là. Là t'es pas resté sur la map. Non. Je t'attends en haut. Ouais, bah ouais. Où je te regarde à nouveau faire le parcours. Oh bah non. Ah bah si. On sait jamais, tu pourrais te torcher à un autre endroit. J'ai coupé le chronomètre, pour le moment t'étais à 1 minute. Donc c'est vrai que c'est pas évident hein, parce que là, ça veut dire qu'il te reste 40 secondes pour tout faire. Ça risque d'être très chaud mais... Ça risque d'être impossible mais... Essayer. Hein. Valentin, en attendant, tu pourrais regarder. Bah, juste tu coupes ton micro et tu pourrais regarder vite fait la vidéo pour me rappeler les temps parce que j'ai oublié de les noter sur un bloc-notes. Merci. 3, 2, 1, vas-y. Regarde, même la fumée de ton planeur, elle s'est arrêtée. Ça fait plus de tôt. Ah, bah alors là! Le mec il essaye d'être rapide et au final. Ah, je voulais être plus rapide que prévu pour gagner bah, du temps. Bah, mais là t'en as plus perdu. Hein. Ouais. 11 secondes de perte encore. Trois, deux, un, vas-y.
Ah, puis le pire dans tout ça, c'est que je commence à avoir les mains moites, c'est horrible. Il a peur. Ah bah oui, hein, ça fait suer des mains ce petit parcours, et tous les parcours d'ailleurs, je pense, feront suer des mains. Et toi, après ce que je vois, plus les parcours avancent, et plus ça devient compliqué. Ah bah oui, plus les parcours avancent, plus ça devient compliqué. Forcément, vu les récompenses qu'il y a à la fin, il faut bien que je fasse de la difficulté sur les parcours. Oh non, je suis sorti. T'es pas encore arrivé à la fin. T'es à 2 minutes 41, tu recommences. Alors 2 secondes, attends, 2 secondes, j'ai quelque chose à voir. Juste 2 secondes. Et ton dernier piège, il est... Je ne dirais pas le mot, mais il est très... Chiant. Faut pas arriver trop vite, hein, on va dire. Je pense que ça va vite. Ouais, Romain, excuse-moi, C'est mon petit frère qui est venu voir parce qu'il m'a demandé s'il pouvait éteindre la box, sachant que le wifi fonctionne toujours pas. Donc il va le faire juste après ça. C'est bon, t'es retourné là. Donc t'es à 2 minutes 41 hein, Romain. Ça, ouais, bah ouais. Je te conseille d'y aller. Pas y arriver, mais Ah ouais. Peut-être que la prochaine fois je rajouterai des checkpoints, étant donné que les parcours commencent à être longs et pour éviter d'avoir trop le seum et que ça devienne impossible, parce que c'est vrai que là si tu tombes c'est presque impossible. On peut-être que... Mais de toute façon c'est ça, hein, c'est à ça que ça sert de faire plusieurs fois les parcours, de sortir plusieurs vidéos, on s'améliore en créant de nouvelles choses on verra quoi. Bah oui. Bon, allez, sur ce, 3, 2, 1, c'est reparti. Là c'est le deuxième, je suis pas mécontent du deuxième, hein. Je le trouve plutôt bien réussi. Surtout le petit dispositif à la fin qui pique bien. Ah oui, monstrueux. Il faut vraiment... Bah non, je peux pas te donner d'indice. Donc, ouais, si on dépasse les plus de 5 minutes, hein, comme je disais dans la vidéo, tu repartiras donc avec 100 pièces rouillées et on se stoppera là pour éviter tout débordement, dès que ce soit trop long, quoi. Hein. Surprise, motherfucker! Oh non! 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 Non, j'étais resté en plein dessus, sérieux. Ah, ce qui...
J'ai donné un dernier indice parce que c'est sûrement la dernière fois que tu le feras, étant donné du temps, on est à 4 minutes 12. Il faut vraiment que tu prennes beaucoup de vitesse et t'essayes d'atterrir en fait ici là, tu vois où je suis là, je sais pas si tu vois, mais en fait tu vas essayer d'atterrir ok, donc tu vas voir le premier tremplin orange. Tu vas voir le premier tremplin orange et il faudra que tu essayes d'atterrir devant lui, comme ça tu vas glisser, tu vas bloquer contre le mur et tu auras plus qu'après à tourner et à continuer tout droit quoi. Ah, c'est que j'avais pas vu le mur, d'accord. Si, il y a un petit muret pour éviter que vous tombiez. Et encore, au début, je voulais pas en mettre. Et j'ai dit, on va éviter. On va pas faire ça trop dur non plus. Peut-être quand il y aura des checkpoints, je pourrais amplifier la difficulté, mais là, pour l'instant... Alors, je rappelle, hein, Romain, c'est pas parce que c'est un de mes amis qui a testé le parcours avant, et la preuve, hein, ça se voit. Donc, on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, c'est sûr que les 5 minutes sont passées, mais bon. J'aimais bien le mec, parce que quand je lui en avais parlé du parcours, il me disait « Oh, mais 5 minutes, c'est impossible de les faire !» Et il va y arriver, finalement. Encore 25... Encore 15 secondes, Romain. Ouais, bah, ça va. 15 secondes et tu seras au-delà des 5 minutes. Félicitations. Vous avez battu le nouveau record de rapidité. Bon, pour maintenant, on prend ton temps. Hein. De toute façon, c'est fini. Tu les as doublés. Donc, prends ton temps. C'était pas un parcours facile, mais en même temps, les récompenses étaient aussi à la hauteur du parcours. Bon, je termine le parcours sans lui pour vous montrer un peu comment ça aurait dû faire. Alors, vous inquiétez pas, hein, je mets pas un temps prédéfini comme ça. Tout est calculé. Valentin et moi, on l'a fait à plusieurs reprises. On l'a réussi en 1 minute 20. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé de faire en 1 minute 40. Pour vous laisser 20 secondes de plus. Si c'est possible en 1 minute 20, en 1 minute 40, je vous dis pas, c'est largement possible. Bon, là, j'ai failli également, mais bon, on peut pas réussir à tous les coups, même moi... Enfin voilà, même si j'ai l'habitude de le voir ce parcours, faut savoir que souvent je crée un parcours, je m'entraîne dessus plusieurs fois, enfin je regarde ce qui va pas, si ça marche pas. Puis à la fin je le fais en entier, je prédéfinis un temps, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Après je vous rajoute des secondes parce que vu que vous c'est votre première fois, forcément je fais de sorte de vous rajouter des secondes. Et à la fin, bah, on estime tout ça, puis on regarde les récompenses qu'on pourrait donner. Bah sur ce, Romain, tu repartiras pas sans rien. Hein. Je te laisse avec donc 100 pièces mécaniques rouillées qui sont dans mon inventaire. J'arrive. Ouais, bah ouais. C'est vrai que j'avais complètement oublié ce truc là, que j'avais très très mal construit ça. Et vu que là je vois pas mon barre d'énergie, je sais pas quand je suis à 50. Où est-ce que tu es, Romain? Je n'ai plus de curseur. Là-haut. Je ne te vois plus. Moi non plus, je n'ai plus de curseur donc. Tu es où en haut? Putain, je vais dans toutes mes tours comme un con. En haut de l'escalier. Lequel? Je sais. C'est quoi ça? À la ligne de départ, si tu préfères. Ok. Et j'ai un bug sur mes escaliers. Enfin, pas mes escaliers, mais... sur le... Par rapport à... On dirait que j'ai des briques niveau 2. Alors qu'elles sont niveau 3. pas ici, sur les escaliers, mais en dessous. En dessous, là, on peut pas le voir, mais c'est en dessous. Je te montrerai si tu veux après. Alors, voici pour toi, Romain. Fais-en bon usage. Hein. Je sais pas ce que tu comptes en faire, mais bon. Fais-en bon usage. Je ne sais point. Bon, sur ce, tout le monde, on va se quitter. J'espère que vous aurez apprécié le parcours. La vidéo du prochain parcours sera disponible peu de temps après celui-là. Et puis, je vous remercie pour le visionnage. Dites-lui... Dites-lui que il s'est quand même bien débrouillé. Le parcours était quand même difficile,
Les prochains seront peut-être plus durs, mais j'essaierai d'instaurer un genre de checkpoint. Et puis je verrai tout ça. Mais sur ce, bah, on se retrouvera un petit peu plus tard. Allez, bon visionnage à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et sayonara tout le monde.